Eh bonjour. Voilà. Eh dites-moi, monsieur oui, la Rakan. C'est comme ça que tu le voulais. Vous allez bien? Ouais, le toc que Sarakan soit disponible. Si des gens sont motivés pour faire une expédition, rendez-vous à l'entrée de la ville, à la porte de la ville, si les gens qui sont motivés pour filer un coup de main. Expédition. On vous expliquera tout ça pour ceux qui sont motivés. Concrètement, bah attendez, ceux qui sont intéressés, venez, je vous débriefe vite, t'as fait. Ouais, allez, mais non, c'est compliqué. Putain, la pauvre Ellie, quoi, tous les soirs on parle de ça. Bon, ce soir, ceux qui sont motivés, 10 parachutes, une quinzaine de bolas, une quinzaine de grappins, du matériel pour pouvoir combattre éventuellement, et on vous débriefe de ce qu'on fait à l'entrée de la ville, tout simplement. Très bien. Et dans la mesure des cas où on n'a pas cet équipement, il faut en demander. Et vous essayez de demander à des amis à vous à droite à gauche. Et si vraiment vous avez rien, vous pouvez quand même vous présenter. On verra si on a dans le stock. Voilà les stocks pour l'expédition. Eh Ellie, putain, c'est quoi ces costumes que tu m'as fait, Ellie, là, tout en noir? On va essayer de jouer à cache-cache avec Pepito. Regarde, je me mets mon autre pull. Eh, c'est sympa. Yuma, comment il va? Attends, viens voir, il est écarté pour pas les déranger à l'intérieur. Et Yuma, comment ça se passe avec Pepito? Ça se passe bien? Ouais, ouais, vous voyez, ça va. Le Torondor, il nous a fait une chambre dans le palais. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Dis-moi, Ellie, est-ce que je peux. Attends. Tu as 5 minutes qu'on discute? Oh, bah bien sûr, j'ai tout mon temps. Ah, tiens, viens voir. Viens voir. Elle va se mettre. Et bah. De toute façon, c'est moi le plus rapide, tu m'attraperas pas. Et ouais, parce que Zidur, maintenant qu'il a enlevé ses poids au niveau des jambes. Avoir peur, là. Pourquoi donc? Parce qu'on est plus rapide que moi, moi j'aime pas ça. Eh ben c'est parce que je faisais un entraînement, il faut que tu le fasses quand tu grandiras. En fait, je mets des cailloux dans mes poches, des gros cailloux dans mes poches, comme ça je suis très lourd, quoi, tu vois. Et dès que c'est nécessaire. Et hop, j'enlève les cailloux de mes poches, et d'un seul coup, Zildur se va courir très vite. C'est un trainer que je fais. Wow. Et trop pas mal. Cool. Et voilà, j'ai dû remettre mes chaussures là, parce que je passe mon temps à courir. Bon, attends, on va se mettre... Bah ici, ça va être très bien. Bon, concrètement... Tu veux pas aller plus loin encore? Voilà, là-dedans, là, on est bien. Ouais, mais ouais. Ouais, là, elle est bien. Et j'ai une mission à vous conseiller à toi et à Pepito. Une mission, par contre, il faut pas que tu en parles, Ellie. Tu parles à personne. Parce que si jamais quelqu'un l'apprend, voilà, ça pourrait causer du tort à la personne à qui tu vas le dire. Donc c'est très important. Moi, je m'en fous. Même à Lilou, ça pourrait lui causer du tort. Tu pourras lui dire, mais quand la mission sera réalisée. D'accord? Parce que si. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est juste qu'il peut lui arriver des problèmes. Ouais. Concrètement. Je sais pas si tu aimes ou tu n'aimes pas, mais tu peux remarquer qu'il y a Bellic qui est revenu en ville. Ah bah oui. Bah. Et tu as appris à écrire depuis la dernière fois. Ah bah oui. Bah. Du coup la mission c'est consiste en fait à le surveiller parce que tu vois, je lui fais pas confiance, il t'a sauvé la vie, donc ça lui remonte dans mon estime. Mais je lui fais pas confiance énormément. Donc avant de lui faire confiance, j'aimerais être sûr de pouvoir lui faire confiance, comme je dis. Et ce serait bien que toi avec Pepito, vu que vous vous faufilez partout, vous êtes fort à cache-cache, toi, tu te caches partout sur le truc. Ah, c'est sûr. Et bien vous pouvez le surveiller quand il est réveillé, en ville là, quand il se déplace. Vous le surveillez, vous prenez un petit journal et vous marquez tout ce qu'il fait. Comme ça, surveiller ses faits et gestes. C'est sûr que c'est qu'en ville, hein, parce que je peux pas le surveiller dehors. Hein. Oui, bien sûr, ça va de soi. Et dès que tu as l'occasion, tu le surveilles, tu te caches comme tu sais bien faire, tu mets ton costume de cache-cache là, et tu le surveilles et tu marques tout dans ton bouquin, d'accord? Oh oui, ça me plaît comme mission. Et par contre, il faut pas te faire voir, si jamais on te voit, tu dis juste que tu joues à cache-cache, mais tu n'as jamais dire que tu marques des trucs pour savoir ce qu'il fait, d'accord? C'est important, Ellie. C'est important, je vais essayer, c'est pour vous, monsieur Zizildur. C'est gentil. Oui, mais justement, j'aimerais bien l'aimer aussi bien que toi, mais malheureusement, il a causé du tort à Zizildur, donc du coup, je vais être sûr de pouvoir lui faire confiance. Donc je compte sur toi pour me dire... Ah mais, t'es passé où, Ellie? Par contre, j'ai pas de quoi me... Ellie, t'es passé où? Ellie! Ah putain, tu es là? Bon. Mais, je te voyais pas... Ah oh, t'es incroyable. Eh, bouge pas, là, je te vois plus. Là, t'es invisible. Ah, c'est incroyable. Oh, t'es. Ah, c'est énorme, on la voit plus.
On fait comme ça, Ellie. Bah je veux bien, mais j'ai pas de quoi. Ah, t'as pas de quoi noter? Allez, attends. Bah attends, on va aller à l'école, je te file un bouquin de l'école. Je te file un bouquin de l'école, et puis on se voit en fin de soirée, et tu me diras tout ça. Et lui, on va à l'école. Et il est pas là, Pépito, ce soir? Par contre, j'ai autre chose à te demander. Oui? Ah, pardon. Oui? Est-ce que tu crois que ce serait plus facile avec une radio? Et le problème, c'est que... En cas d'urgence. Allez, j'ai réfléchi un peu, parce que le problème, il dit, c'est que Zizindur, il a beaucoup de radios. Et quand il a trop de radios, après, il sait plus quoi dire, il sait plus à qui est-ce qu'il parle, et c'est compliqué. Ah, c'est quoi fait? Mais le problème, c'est que moi, j'ai... Attends, c'est ce qu'on va faire. C'est que je vais... On va aller en ville, je te file un bouquet, d'accord? Et dessus, je vais marquer un numéro sur... un numéro. C'est le numéro de la radio sur laquelle je te contacterai si jamais il y a un problème. D'accord? Donc, je mettrai pas la ceinture. J'ai pas de radio. Ah, t'as pas de radio? Bah merde, moi j'en ai qu'une seule. T'es couillon. Il faudrait voir avec quelqu'un qui puisse te faire une radio. Donc, en attendant que t'as une radio, on fera ça. Et dès que t'as une radio, tu te brancheras dessus. Et dès qu'il faut que je te contacte pour prendre des nouvelles, je t'appellerai avec. Comment ça? Mais, comment ça marche, une radio contre, bah oui, je sais comment ça marche, mais les gens, ils veulent pas que je... Pour l'instant. Ils veulent pas que t'en aies une de radio? Eh, tu m'entends? Non, ils veulent pas que j'en aie. Oui, je t'entends. Oui, ils veulent pas que tu aies une radio. Bon, mais je vais me débrouiller pour t'en trouver une. Peut-être toi qui me débrouiller. Ah si, là, je t'entends. Je t'en trouver une. Par contre, t'en parles pas, ok? Bon, pour l'instant, on fait par bouquet. Et dès que je peux te trouver une radio, je t'en procure une. D'accord? Et je t'expliquerai comment ça marche. Promets et on crache par terre. Impeccable. Impeccable. Par contre, si tu vois Monsieur Gigi, tu me le dis. Parce que Monsieur Gigi, malheureusement, il est devenu sobruc. Alors, j'aimais bien le Gigi, mais bon. Il fait quand même des choses pas très... Oui, non, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait... Très bien. Alors, mais pas trop quand même, parce que là, c'est un peu dégueu. J'espère qu'il n'y a pas d'arakan qui nous a vu, putain. Attends, je retire ça, parce que, putain... Ça fait fondre la neige, t'as vu ça? Oui. T'as vu ça? Oui, c'est feuille de fleur. T'as vu dans la neige, la feuille de fleur? Bon, très bien. Bon, on va à l'école, je te file le bouquin, et on voit plus ta radio. Faire participer les enfants, mais les gens, les pauvres enfants, ils peuvent entendre guerre, tu voulais qu'ils fassent quoi? En tant qu'MJ, j'ai comme mission aussi, c'est d'essayer de faire participer le plus de gens possible à tout le RP global. Les enfants, c'est très très dur à gérer en RP, sur du PVP. Enfin, c'est très très dur. Faut y aller avec des pincettes. Et le fait qu'elles sortent pas de la ville, mais qu'elles surveillent alors qu'elles jouent tout le temps à cache-cache, c'est parfait pour elles, tu vois. Parce que, de base, dans son RP, elle est tout le temps en train de faire du cache-cache, tu vois. Ellie la veuve noire, j'avoue. En vrai, c'est pas mal, j'aime bien le concept. Parce que vous en pensez, mais ça va être pas mal. Le plus lourd, c'est vrai que c'est de les faire à tort, à tort. Te fais pas chier, en fait. Parce que ça vient de me redire dans ma tête. Je m'étais fait, embarquer. Ah bah tiens, Pépito. Je lui file un bouquet à Pépito. Tu vas lui expliquer, Ellie, à Pépito? Faudrait voir au village des agriculteurs. Ah oui. Il y a toujours, il y avait deux gorilles là-bas, à l'époque. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Essaye Pépito, tu as pris le bouquin, Elia va t'expliquer la conversation qu'on a eue. Tu expliques bien, silence comme le crocodile. C'est une bonne conversation ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça, va-t'en dans ma main. Ouais c'est ça. Mais surtout que c'est le mien. Attends, j'en ai trois maintenant, mais qu'est-ce... Ouais. Ouais, bah le mien il est dans ta poche. Hein. Ouais, très bien. Et bah bonne expédition. Faites attention. Il est tout rouillé alors que. Bah si, Lilichou il m'a fait. Eh bah on verra bien. Neuf. Il m'a fait une toute neuve. Mais j'en ai trois neufs. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut sortir de l'école. Ouais, Zafa, arrêtez de vous disputer. Hein? Il y a des choses importantes à faire. Elle me pique mes affaires et elle me les rend à moitié. Et vous partagez. Il faut partager, Zafa. J'ai mes affaires. Je vais partager mes affaires. Rien que l'idéal. Mais j'ai plus la mienne non plus. Donne-la moi, je vais la reteindre. Visez pas aussi haut. C'est l'arakan, il a tout mélangé dans son coffre. Oui, non, mais cherchez une de tête brûlée. Mon coffre s'est mélangé tout seul. Je vous laisse faire en façon. S'est mélangé tout seul. La mienne, elle était grise et brillante. Bonne expédition. Elle était toute neuve.
les arpas. T'inquiète pas, on va la réparer. Oh, je vais essayer les arpas. Je vais expliquer. De tout à l'heure. Bah oui. T'as pu recruter du mode un petit peu. J'ai parlé, je sais pas qu'est-ce qu'il va venir, mais je donne rendez-vous à l'entrée de la ville. Ouais, très bien. Qu'est-ce que je vais te dire, viens voir. Eh oui. Y a les sombriques peut-être à nos portes. Hein. Tiens, regarde à l'intérieur et va dans la poche de la poche puisse gourde d'hélium. J'ai posé des balistes à l'entrée. J'ai vu un grappin qui essayait de monter sur nos murailles. Cousine. Vous voulez prévenir Narakan? Ah oui, Dryad est au courant, mais armez-vous plus vite. Ah bah vous inquiétez pas, nous on est toujours prêts. À tout ce qu'il faut. Ok, impeccable ça. Regarde dans la poche gourde d'hélium. On va mettre ton armure. Impeccable. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Impeccable. J'ai commandé pareil la porte oui. Non mais ça j'ai compris. Il y a ton cube la rabelle. Parce que je rentre avec mon châle, parce que je suis blindé de bolas pour les manger. J'ai faire les piques, du coup c'est pas le souci. Donc, juste j'attends que la porte elle arrive. Ok, très bien. Dis-moi Goyette, tu sais comment, tu sais qu'est-ce qui pourrait nous fournir les radios? Il nous faudrait plus de radios pour les expéditions. Tu sais qu'est-ce qui peut nous en fournir? Oui, Alaric, il aurait pu nous en fournir. Il fallait me demander, j'aurais demandé. Il faudrait 4 ou 5 moi personnellement. Pour tout ce qu'on fait. Que je le retrouve, Alaric. Très bien. Pour l'expédition, non, prenez pas de radio pour l'expédition. Bon, de la radio, monsieur. Parce que si on s'est fait gauler, après, il chope le canot, le canal. Et il faut tout changer. Oh putain! Oh mais non, c'est bon! Attends. Il veut papy. Je papy. Voilà. Mais j'ai pas le temps à faire. Il faut toi, monsieur? Je suis grim, moi. Tout le monde en armure et tout, et tu dis une dure que tu vois avec son vieux costume noir et rouge. Vous allez vous expédier, c'est ça? Pas de suite, non. Apparemment, il y a une attaque de Sobruk, donc il va falloir qu'on voit ça. Et après, effectivement. Oh, les salopards. Les gens qui meurent. Bah alors. Et cette histoire d'attaque de Sobruk, que par hasard, quand c'est à lui, quoi. Ah putain messieurs, aux armes. Ils sont là. Et j'en avais Bolas. Armez-vous, reculez, armez-vous. Ils sont là. Allez, appelez des renforts. Je crois qu'il est mort. Ils l'ont tué lui aussi. On l'a buté. Putain, ils sont là. Reculez, armez-vous, reculez, ils sont là. On les entend. Mais faut pas les laisser là-dedans aussi. Non, on va pas les laisser. Putain, j'en avais beau l'âge de ouais, ils vont pas ressortir. Moi j'ai plus de mana, comment ça se fait? Pétard en vue. Oh putain. J'ai entendu une flèche passer. À droite. Une attaque aux portes. Pas. À gauche. Allez, on s'arme. Putain, je vois rien les gens avec le fait qu'il fasse sombre. Putain, moi je me téléporte dedans. Matériel. Je vois rien. Le jour, c'est quand que t'arrives, 4h du matin. Comment ça se fait que je suis à zéro? Ils sont où? Ils ont cassé une porte. À l'entrée, messieurs, c'est pas attaqué. Vite à l'entrée, tout le monde. Putain, on se fait attaquer. Chaud. Messieurs, à l'entrée, on s'est fait attaquer! Explosion de partout! Ah, oh, j'entends! Putain. Explosion! Explosion, j'ai besoin de vous! Si vous pouvez descendre. Ils ont cassé une porte! C'est du matériel, on s'en fout! C'est que de la réparation! Voilà. Mais je suis seul à tirer ou quoi? Ah, y'a un plumier de cahier! À droite! Regardez à droite, y'en a un! Larry, tu te fais tirer. Ok, ils sont au bouclier. Ils sont à gauche. Ouais, je vois. C'est à droite ou c'est à gauche? Parce que. Ils sont des deux côtés. Ah, messieurs, bouclier là-bas. Il va falloir reprendre nos remparts. Ils savent pas viser, vous inquiétez pas. Regardez-les. Prépare les catapultes. Eh, celui qui dit ça pas viser, viens-y que je te tire. Eh messieurs, il faut rentrer! Eh tiens, je viens d'en avoir une. Viens!
Messieurs, 5 personnes avec moi, les autres leur tirent dessus. Et le plan se déroule à merveille. À merveille, venez, recule un petit peu. Ah ici, qui l'ont pas dans les escaliers. Par ici messieurs, ils sont plusieurs. Venez, bande de pleutres, venez vous battre. Pas trop vite. Essayez de descendre l'huile. Essayez de descendre. Allez venez, descendez si vous l'osez. C'est qui est passé là? Non non, ils essaient de bolas, ils essaient de bolas, faites attention. Petite couille. Mais qu'est-ce qu'il essaie de bolasse lui? Ah d'accord, je pense qu'il était avec nous. Ils sont dans l'air un peu. PVP, PVP. Ah tiens, il faut péter. Passer par l'autre côté avec un. Il faut essayer de faire le tour. On va tout faire péter bien. Ils sont là, ils sont là. Hein. À l'intérieur, ils seront brûlés par les flammes. Le piège se resserre. Laissez-les venir, le piège se resserre. Ça ah voilà, c'est ça. Arrive, ça arrive. Elle... Au secours, au roquet pris. T'inquiète. Oh putain, j'ai pris un coup de gourdin. Je l'ai pas vu venir. Nicolas. Me fait tout péter. Reculez. Foutez le feu, foutez le feu. Oh putain, il y en a un autre. On en a deux. Ah le gourdin. Oh putain. Y'en a un au milieu là. Y'a Ourouk là, y'a Ourouk. Ouais y'a Ourouk. Faites moi brûler tout ça, balancez de l'huile dans les escaliers là. Brûlez. Oh il l'a fait assommer. Oh tout ça pour que j'ai essayé d'aider Ourouk quoi putain. Chante petit Sombruc. Petit Sombruc. Petit Sombruc. Putain je me fais tellement tabasser. On a 4 ou 5 otages en haut. La puissance du feu vous dépasse. Reculez. Mais plus vous avancez, what, plus le piège se resserre. J'en ai un. Le VIP en priorité. Des menottes, il est menotté ou pas? Un autre VIP. Chante petit Sombruc. Je peux pas chanter, je suis endormi les gens. Non, ils m'oublient. Non, ils m'ont pas oublié. T'as des menottes? Par contre, il y a 10 personnes qui sont dehors, ils font rien, ils rentrent pas. Ils tirent des flèches. C'est bon, il est allégé. What? Qu'il rentre! Qu'il vient de leur péter la gueule! Mais j'ai plein de menottes, on le prend en otage! Tout son équipement. Il faut aller sonner le repli aux autres. Va sonner le repli aux autres. Oui, mais comment je fais moi pour le. Non, mais. J'ai menottes. Volgin, moi je suis rouge. Ils ont mis des menottes en otage. Douce, tu t'occupes d'aller sonner les autres. Ils n'ont pas intérêt à se louper. Moi je te le dis! Oui. Moi je vais essayer. Putain, alors... sérieux, ils ont chopé Ourouk. Tiens, mais assomme-le encore un peu, s'il te plaît, le mien, parce que. Faut partir. Bah vas-y, ah, mec, saute, c'est pas grave. Sortez-les maintenant, sortez-les. Ah, j'y arrive pas celui-là, il faut grimper. Ouais. C'est bon, Chirona, t'as le plus important. Je suis bolasse. Attends, deux secondes, je lui remets un coup. Deux secondes, je lui remets sa dose. Quelqu'un me donne bolasse là, plaisir. Oh putain, je suis bolasse aussi. Oui, allez, les copains, revenez. Validez. Valjean, je te débolasse. Cours avec, barre-toi avec. Ah ouais, c'est clair, la téléportation. Je vais me lever, je vais les défoncer. Oh, ça fait deux. Et la brochette, et deux. Et les prochains, il est où? J'étais quel est le prochain super-héros qui veut se taper là? Allez, mid. Je les charge direct. Donos, t'es débolasse. Chargez. Lâchez-moi. On est où là? On va savoir où est-ce qu'on est. Sauvez le gouverneur Zizildur! Putain, je me suis fait avoir un temps coup quoi. Par un mec qui a mis par derrière. Oubliez-moi, c'est bien. Ils m'ont oublié? Putain, ils sont tellement défoncés! J'ai la radio, 26-18. Non, 2018. Bah. Ça marche pas! On se barre! Attention! Est-ce que là? Attention, je sais qui! Faut y aller! Mais!
Pourquoi ça marche pas? Alors mon petit. Mais putain, ça marche pas le sort quoi. Tu rigoles ou quoi? J'avais tout mon mana. Personne n'a de poids, tant pis. Allez, grâce. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Dépêche. Mon mana, vous avez vu, mon sort est pas parti. What the fuck? On a Uruk sur là. Ah, je suis blasé. Ah, on a Uruk là. Par contre, j'ai pas un. Ah, bah là, mon mana. Pourquoi j'ai pas de mana? Chez vous, hein. Ça me fout les boules. Je vais me téléporter, me barrer quoi. C'est pas l'info importante là, faut juste sortir avec les mecs vivants là, les otages. C'est petit parti. Petit Zizi le dur, t'as de la chaise. Cette fois tu t'en sors. De nous on a pas le temps, allez. Et mon prix mes affaires. On le laisse lui. Oh non, on le prend. Ouais. Pas les couilles. On a Uruk, c'est la priorité. Ah non, Gigi il a réussi, allez Gigi go. Mais il va me buter hein. Ah je suis blasé de pas avoir. Non il passe pas, il passe pas. Par contre leur vola c'est un truc de ouf hein. Leur vola c'est à tous les coups. Tu as un temps d'incantation. Non normalement c'est un temps. En fait je pense que ce que j'ai fait c'est quand j'ai cliqué pour me téléporter, j'ai regardé la rediff. Je crois que j'ai regardé trop le ciel. J'étais un pixel au-dessus. Et quand je suis trop au-dessus, bah je me téléporte pas en fait. Et ça consomme quand même ta mana. Ah tu peux pas le grappe. J'aurais dû me téléporter ailleurs, je sais pas. Ça, ce qui fait chier, c'est qu'il met tout pris quoi, ça c'est relou. En même temps le mec il m'a tout pris. Il est tombé tellement de torpeur que le sort s'est arrêté mais a consommé ton mana. Non, je pense pas. Je pense vraiment que c'est parce que j'ai miss mon sort. Ou je l'ai miss, ou la zone n'était pas... On pouvait pas se téléporter sur la zone. Mais normalement, même si c'est une zone qu'on peut pas téléporter, normalement je me téléporte un minimum, tu vois, jusqu'à ce que ça devienne une façade. Je sais pas. Ouais, c'est vrai, Jumper. Ils m'ont tout laissé, je pense qu'ils m'avaient tout pris. What the fuck? D'accord, ils m'ont juste pris. Je sais pas pourquoi ils m'ont. Eh, qui c'est? Oh putain de merde, c'est un soldat. C'est Duncan. Oh messieurs, oui. Attention, ils ont amené Uruk. Putain. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai mis. Messieurs, soyez alerte, ils ont fait des prisonniers. Putain, c'est qui ça? Putain, Godelium. Putain, Goyette. Il y a des corps partout. Ah, j'ai froid. T'as plein dans lui. T'as eu un carnage. Eh hey, Goyette, putain de merde. Ils ont chopé Uruk. Ils ont pris Uruk. Il faut que se barre. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes parti battre. Amis, t'en sors, je pense que c'est ça. Messieurs, il faut qu'on aille récupérer. T'as pas eu tout ça. Zizildur, à l'aide. Eh mais Zizildur, il est là-haut. Qu'est-ce que tu fais de toi en bas? Eh mais Ratroville. À mon avis, t'as dû te faire couper la tête toi aussi. Bon messieurs, il faut vite te corriger tout le monde, faut qu'on parte au quart de tout tour. Monsieur le garde. Non. C'est qui ça? J'arrive. Ici, il y a un cadavre. Ils s'en fait découper quoi. C'est ultra chaud parce qu'ils étaient à l'intérieur et dès que tu rentrais, tu prenais un coup de bois, c'est un coup de marteau quoi. Ils ont bien joué hein. En vrai, ils sont super bien joués. Arakan. Ah, c'est vers l'extérieur ça. Putain, je suis perdu dans ces remparts. Prenez ses affaires. Monsieur Zizildur, il est passé où? Eh, je suis là. C'est pas moi. J'ai trouvé. SFR à moi? Peut-être c'est trop long. Bah oui. Où c'est? J'ai un corps ici, à quelqu'un. Il y a un corps là, ici, mais il est. Je sais pas, il est bizarre. C'est ici, en fait, je suis arrivé ici pour essayer de mettre mon bouclier et protéger de ce côté-là Uruk. Le problème c'est que de l'autre côté il y a un mec qui est arrivé et il m'a mis un coup de... C'est super chaud les fights comme ça, tu sais pas qui était avec toi, qui était contre toi quoi. C'est tellement chaud. Il faut que je retrouve à quelle partie à ce cadavre. Sur tes lacs. C'est où tes lacs? Y'a pas de lac dans le coin? Par contre, qui sait que quelqu'un aurait récupéré les pétards et les menottes? Ah très bien, j'en aurais besoin. J'ai mis dans ma monture, mais j'ai mis ma monture en face de ma maison. Je vous les rendrai pas. Ah très bien.
Bah, où est-ce que je pousse ça? Où est-ce que je pousse ça? Je vais foutre ici. Si le cherche, c'est là. Ils sont partis. Bonjour la ballerina. Bon, je vais équiper et être parti. Je vais récupérer mon avis. Bon, messieurs, on fait une opération très rapide là. Il faut 3-4 personnes qui sont encore vivants, qui sont encore prêts. Il faut qu'on parte. On va faire extraction là, ça va pas. On va les pourchasser. Alors, par contre, j'ai pas. Goliath, t'as quelques grappas ou pas? Ouais, ouais, j'ai des grappas sur moi. Tu peux me filer quelques aides parce que j'en ai pas moi. Et ils m'ont tout piqué. Ils m'ont piqué en fait tout ce que j'avais dans ma sacoche. J'ai tout ce qu'il y a sur moi, c'est tout ce que j'avais. Ma pec. Putain, il me fera de la bouffe, de l'eau. Putain, ils m'ont tout piqué ces salauds. Bon, qu'est-ce que c'est? Oh putain, impeccable. Chercher de la bouffe. Ouais. Je vais prendre quelques arbres si je peux. Putain, oui, il faut que j'aille chez Jardin Rook. Il y a des trucs que lui. On part de suite, les gens. Château Noir, à l'assaut. Par contre, j'ai pas compris le truc. C'était en mode pépouze. Et tout le monde était dehors, regardez. Et n'avancez pas, quoi. J'étais en mode, mais c'est pas possible, on va pas les laisser tranquillement à l'intérieur, nous mettre des petites fléchettes, tiens. Bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? On est pas chez Jardin Rook ici? Pardon. Alors, où est-ce qu'il avait foutu ces trucs déjà, lui? Il n'a pas de ressources, enfin il n'a pas de munitions. Pas de munitions, vite, 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 vite. Ah si. Pour l'arc ça. Et des bolasses. Let's go. Elle est où ma monture? Je crois que j'ai foutu là, c'est celle-là, non? Celle-là. Putain, Rook vient de mourir, quoi. Ils ont même pas laissé le temps à ce qu'on vienne venir récupérer, quoi. Je sais pas s'il est mort RP ou s'il est mort. Je vais faire de la magie. Impeccable. Bon, Goliath, t'es parti. Est-ce qu'il y a des parties, ceux qui veulent partir? Déjà. Attendez. Bisous, monsieur Benix. Vous avez déjà préparé des gens ou vous êtes seul pour l'instant? Il est déjà tout trois. Oui. Attends, je vais chercher une monture. Ouais, dépêchez-vous, messieurs. Dans 3 minutes, on est parti là. On n'a pas le temps. Allez. Je vous attends. Que vas-tu faire quand tout sera devant nous? Bad grab, bad grab. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire à part tomber par terre? Quand t'avais 8 ans et pas encore tes dents, t'allais au champ et tes papa et maman. Alors pourquoi fais-tu autant le fou? Dis-toi juste que c'est nous les chasseurs casse-cou. Bad grab, bad grab. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire quand tu seras devant nous? Bad grab, bad grab. Que vas-tu faire?